tout d'abord, nous allons nous rendre dans le panneau de configuration pour activer des fonctionnalités requises pour WSL, la fonctionnalité machine virtuelle ou virtual machine platform en anglais, ainsi que le sous-système Windows pour Linux ou Windows Subsystem for Linux. Vous devrez par la suite redémarrer votre ordinateur. Après l'activation de ces fonctionnalités et le redémarrage de votre ordinateur, vous allez vous rendre sur le site officiel de Microsoft pour télécharger et installer le package de mise à jour du noyau Linux. Vous allez ouvrir une fenêtre PowerShell et y taper la commande suivante. WSL 2-6, 7-6, default, 1-6, version espace 2, ce qui va nous permettre d'activer par défaut la version 2 de WSL. Rendez-vous dans le store de Microsoft pour télécharger une distribution en choix, Debian, Ubuntu, Kali ou ceux que vous souhaitez. Vous devrez ensuite configurer vos accès. Cette étape n'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement d'installer le terminal Windows depuis le store Microsoft.